tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 19 du calendrier de l'Avent. Et pour ce jour 19, eh bien on se retrouve pour la dernière review du calendrier. Qui dit dernière dit rapprochement de la fin, c'est trop triste. Et qui dit rapprochement de la fin dit bientôt Noël, c'est déprimant, ça passe trop vite. Et pour cette dernière review, on va parler du film d'animation Netflix qui se prénomme Klaus. Ils ont été plusieurs à me conseiller de le regarder, donc j'ai voulu découvrir et là je tourne vraiment directement après l'avoir regardé. Donc je viens juste de regarder le film et je tourne cette vidéo directement après, comme ça c'est tout frais et je vais pouvoir un peu vous dire ce que j'en pense. Donc pour faire un peu un résumé, ça parle d'un garçon qui est dans une école de poste, de facteur, de postier, tout ce que vous voulez. Sauf que le problème c'est que c'est un enfant pourri gâté et du coup il fait rien des cours. Et lors de son évaluation entre guillemets, son père découvre qu'en fait c'est un gros feignant. Ça me saoule que ce soit son comme ça. C'est un gros feignant qui fait rien, qui fait très mal les choses. Et il va l'envoyer au fin fond de la terre dans un village pourri où les gens sont tout le temps en conflit. Et il va se retrouver dans cette ville où ils sont tous en conflit, il y a deux clans, ils sont tout le temps en train de se taper dessus. Et il n'y a pas de lettre, il n'y a aucune lettre, il va essayer de trouver un moyen d'avoir des lettres. Et c'est en découvrant un bûcheron, menuisier, tout ce que vous voulez, qui travaille le bois, qui va faire un cadeau à un enfant, il va voir que l'enfant va être content et que le lendemain il va y avoir des lettres pour des jouets, qui va mettre tout ça en place pour avoir ses 6000 lettres pour pouvoir rentrer chez lui. Et du coup c'est une histoire autour de ça. Donc voilà à peu près le résumé. Moi déjà ce que j'en ai pensé, franchement j'ai failli abandonner lors des premières 30 minutes on va dire. Franchement j'ai pas du tout accroché au début, j'ai eu vraiment du mal, je me suis dit allez va jusqu'au bout, pousse parce que t'as quand même une vidéo derrière à faire. Parce que tu vas pas dire oui j'ai regardé pendant 30 minutes et après voilà j'en ai marre. Non j'ai vraiment poussé à fond et j'ai bien fait parce que franchement à partir de 45 minutes, ouais à peu près la moitié de le film d'animation, c'est une vraie, c'est super, c'est un vrai chef d'œuvre. La musique, l'animation, les dessins, l'histoire, c'est franchement super beau et c'est super émouvant. Et moi ce que j'aime bien dans ce film d'animation c'est que on dirait que le réalisateur, celui qui a écrit le texte de ce film, il a voulu recréer le Père Noël, la magie de Noël, comment ça arrivait. Même si, bon, on ne va pas se le cacher, Père Noël n'existe pas, mais j'avais vraiment pensé à cette création du Père Noël, à cette création de la magie de Noël, à cette création de pourquoi les cadeaux sous un sapin, etc., les chaussettes et tout. Franchement, c'était super sympa avec la création. Pourquoi il y a une liste des enfants passage? Pourquoi il y a des rennes? Pourquoi le traîneau il vole? Pourquoi? Non, franchement, c'était vraiment super. Et j'ai vraiment bien aimé la fin. J'ai vraiment bien fait de pas arrêter tout de suite quand j'en avais marre. Franchement, ça m'a super plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous, il vous a plu et si, ce que vous en avez pensé. Votre avis, ça me fera super plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous a plu parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. On est d'accord. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour le 20e jour du calendrier de l'Avent. Passez une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et moi, je vous dis à demain. Ciao.